Salut la compagnie, aujourd'hui je voulais vous faire une matinée dans ma vie de femme, mère, entrepreneur, artisan, artiste, tout ce qu'on veut. Voilà, c'est pas hyper folklorique, mais c'est ma vie. J'espère que ça vous plaira. Alors clairement, si vous êtes ici pour voir des images esthétiques, c'est pas le bon endroit. Là vraiment, je m'en tape un peu de la tête que j'ai ou quoi, c'est juste pour voir mon quotidien. Moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos un peu comme ça. Mais je suis pas là pour me montrer sous mon meilleur jour ou quoi, vraiment c'est juste pour montrer mon petit quotidien quoi. Voilà, voilà. Je me demandais sûrement comment ça se fait que je suis en train de me maquiller avec mon fils dans les bras, tout simplement parce que je suis seule avec lui. Donc en fait il faut avancer et quand ton fils il a besoin d'être avec toi, bah tu fais tout en même temps et voilà quoi, ça le fait. Là, c'est go to the crèche. Léon, il va du lundi au vendredi, toute la journée. Ici, on n'a pas de famille, donc on ne peut pas faire garder par X ou Y personne. Mais super content d'y aller. Il passe des super journées. Les professionnels sont top. Après, là, c'est mon moment où je fais le chemin pour rentrer un peu chez moi, ranger 2-3 trucs avant de partir à l'atelier. Et forcément, il faut que je me reprenne un petit café, c'est obligatoire. Là, on se rend pas compte, mais il est assez tôt. Je finis de ranger, je file à l'atelier. Mais en fait, j'ai pas le choix parce que sinon je rentre le soir et ça me fait vraiment trop de boulot à gérer. En même temps que la routine du soir et tout, donc je fais ça rapidos et go.
Au programme ce matin, je dois finir de tournasser trois éléments qui vont me constituer une lampe. Donc là, je suis en train de mettre mon tablier et justement, je suis en train de réfléchir à tout ce que j'ai à faire ce matin. Et puis, j'ai une commande aussi à terminer de tournasser et à terminer d'assembler. Voilà, donc on est sur du tournassage, de l'assemblage. Donc tout ça à faire sur la matinée. Pièces que j'ai tournées et que j'assemble en les assemblant avec de la barbotine. Une fois que les trois éléments sont assemblés, je réemballe la pièce en laissant quelques espaces d'aération afin que la pièce sèche très lentement et qu'elle n'ait pas de problème de fissure ou de craquelure, etc. Donc voilà, après je vous montre un peu le résultat une fois terminé. C'est l'heure de manger pour moi. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai bien aimé. Clairement, je suis pas la meuf la plus expérimentée en la matière. Je suis assez naturelle et parfois peut-être que c'est pas assez travaillé, mais au moins c'est 100% authentique. Je vous fais des bisous, salut.